Donc La Petite Pierre est une association qui a été créée en 1998 par deux compagnies, une de théâtre, la compagnie Qui Roule, et une compagnie de danse, la compagnie Vendaval. C'est une structure qui est spécialisée plutôt dans les arts de la rue. Notre objectif, c'est de faire du lien entre le territoire, les habitants et la rencontre avec la culture. Alors, moi, quand je suis arrivée à l'époque du montage, de la décision des travaux, les menuiseries avaient été très, très abîmées. L'ensemble des rénovations avait 20 ans et les bâtiments devenaient très usés et on ne pouvait plus les utiliser en période d'hiver. Donc, il devenait impératif de faire une rénovation principalement énergétique. Et en parallèle, de finaliser la mise aux normes PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite. Dans un premier temps, cet argent-là, il nous a permis de mobiliser d'autres cofinanceurs et du coup de monter un dossier de rénovation conséquent à la hauteur des besoins, donc à hauteur de 480 000 euros. Quand on a lancé le projet, une fois qu'on a su qu'on allait être soutenu par France Relance, on est allé voir donc toutes les collectivités, les mairies qui nous accompagnent sur le projet global, donc la mairie, l'agglomération Grand Auch-Cœur de Gascogne, la région et la préfecture avec France Relance et l'Europe pour le programme européen. Et dans un deuxième temps, de développer le projet dans une logique écologique, c'est-à-dire de maintenir une rénovation traditionnelle comme ça avait été fait jusqu'à maintenant, d'utiliser des matériaux biosourcés et de rechercher des artisans locaux pour être cohérents dans la rénovation. Donc on va commencer par la chapelle puisque c'est la dernière à avoir été rénovée en 2009. Donc là, la nouvelle rénovation, elle consistait à changer l'isolation qu'il y avait au plafond et donc de mettre un nouveau plafond en plus qui est ignifugé, anti-feu et en bois. C'était notre cheval de bataille de garder le bois. Et des menuiseries sont faites sur mesure pour garder l'aspect vitré et la fonctionnalité du bâtiment. Ensuite, il y a la maison, donc qui a été aussi rénovée de façon thermique. L'isolation a été refaite au plafond, ce qui a nécessité de surélever le toit, de refaire la toiture. On a aussi changé le système de chauffage, on a enlevé le gaz pour passer à une pompe à chaleur. Et on a refait les cheminements piétons autour de la maison. En dernier, il y a eu la grange qui, elle, a été complètement rénovée puisque c'était une grange ouverte. Et on a fermé le bâtiment avec des grandes baies vitrées pour pouvoir permettre de garder l'aspect ouvert des arts de la rue, ouvert et fermé l'hiver, avec un sol industriel pour permettre de faire du décor à l'intérieur et un chauffage en pompe à chaleur, une isolation thermique. Alors, les projets futurs de La Petite Pierre, ça va être dans un premier temps de pérenniser et de développer le projet global associatif, d'embaucher et de consolider l'économie de l'association pour pouvoir gonfler l'équipe à la hauteur de l'équipement culturel qu'on a, d'ouvrir le lieu, même s'il est déjà accessible aux habitants, on aimerait qu'il le soit encore plus et que chacun s'en empare comme il veut et pas forcément qu'avec des projets culturels. Et bien sûr, de continuer à soutenir la création artistique, puisque c'est le cœur du projet initialement.